chapitre 3, verset 14, nous venons dans verset 20, à la gloire de Dieu. Ma prière, vous êtes capable de suivre dans Bibo, la gloire de Dieu. Écrit à l'ange de l'église de la Odyssée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillon. Si seulement tu étais froid ou bouillon, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillon, je vais te vomir de ma bouche. En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai rien besoin. Et tu ne sais que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche. Des vêtements blancs, afin que tu sois habillé, et qu'on ne voit plus la honte de ta nudité, ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Que mon Dieu soit béni par lui pour être capable de pour le chita à la gloire de Dieu. Nous bénissons mon Dieu pour vos grâces et faveurs qu'il fait nous. Et maintenant, il va nous occasion et opportunité et pour que nous soyons capables d'entrer dans la présence et pour nous exalter, pour nous adorer. Et pour nous louer de mort et matin. Sujet que nous gagnons pour nous-mêmes à travers le Dieu que nous se fait pour matin. Sujet A, c'est un appel à la repentance. Sujet, un appel à la repentance. La repentance, selon les dictionnaires français, ils ont défini la repentance comme étant un regret, une douleur qu'on a de ses péchés. C'est en quelque sorte une tristesse que péché a ressenti de lui-même après une désobéissance, après une rupture. Après avoir fait commettre une faute, c'est une tristesse. La repentance, selon le dictionnaire biblique, il définit la repentance comme un changement d'avis, un changement d'idée. Souvent, en plus, il définit la repentance comme le fait que vous détournez de péché. Mais en réalité, se détourner du péché, ce n'est pas une vraie définition de repentance. Mais une vraie définition de repentance, selon le dictionnaire biblique, c'est un changement d'avis qui est lié. Et ce changement d'avis, changement d'idée, ça, qui va produire un changement de comportement. Et c'est là que nous va détourner réellement du péché. Il y a un monde qui a détourné du péché, mais pas repenti totalement. Parce que repentance, c'est un abandon total de péché. Et abandon total, ça, c'est lorsque vous ne changez pensée, vous changez idée. C'est ça qui va produire changement de comportement. Mais à travers le texte que nous sommes liés, c'est l'aide que l'apôtre Jean te recevoir de la part de Dieu pour l'adresser à l'église de la Odyssée. L'église de la Odyssée qui s'est une de l'église qui est trouvée dans l'Asie mineure.
partie de cette église que Jésus-Christ était d'accord pour écrire. Et les sept églises qui étaient trouvées en Asie mineure, c'était sept églises visibles, sept églises réelles qui étaient existées, ne contrer ça. Mais cette église, ça y est, c'est une image, caractère l'église, dans différentes périodes de la vie de l'église. Comme par exemple, l'église d'Éphèse, qui caractérisait l'église premier siècle, l'église lors de son interprétation de l'église, première période de la vie de l'église, qui était l'église qui était fidèle, c'est l'église qui était comprend le amour. Il y a un attachement à la volonté de Dieu. Mais c'est l'église plus tard qui va perdre amour, qui va perdre connexion, qui va perdre en bien signé ensemble avec Dieu. Et c'est une de l'église, Dieu au commencement, qui sont l'église qui mérite, qui te mérite l'approbation de Dieu pour travail, pour persévérance. Mais Dieu va reprocher l'église des fêtes par perte de premier amour. Et ça fait Dieu qui a recommandé l'église pour changer les gens, pour rappeler les relations, l'intimité ensemble avec eux, pour changer l'attitude et pour continuer à marcher ensemble avec plus dans la fidélité. Nous avons l'église d'Esprit, qui c'est l'église de période 2e et 3e siècle, qui c'est l'église persécutée. L'église à cette époque qui a subi de toutes sortes de persécutions de la part des empereurs romains. Son église, Dieu n'a pas eu rien à reprocher l'église. Parce que c'est que l'église était fidèle, malgré souffrance, malgré misère, il n'y a pas jamais renié le nom de Dieu. Malgré la mort, malgré grand pile qui a perdu la vie, mais l'église a été guébé, persévérance au milieu de toute persécution. Mais Dieu dit l'église, restez fidèle, nous ne pas peur de ça qui a pris de nous. Parce que victoire, c'est pour nous qui l'avons compris. L'église de Pergame, c'est une église d'immoralité. C'est une église qui peut associer avec les choses de ce monde. Et c'est l'église qui peut révéler troisième et quatrième début, troisième période et quatrième période de la vie de l'église. Après la conversion de Constantin, qui peut plonger l'église là, dans l'immoralité totale, qui peut faire l'église à faire alliance. Et depuis là, l'église là peut plonger dans l'apostasie. L'église a pris le projet, nous mélange. L'église a pris l'associer avec le monde. L'église a pris le vivre selon le monde. L'église a pris perdu l'originalité. L'église a pris perdu le caractère. Et parmi toute l'église qui était trouvée dans la Sibylle, c'est seulement deux églises. Jésus-Christ passe un et pour le projet. Premièrement, c'est l'église de Fer, c'est l'église de Smyrne. Et deuxièmement, c'est l'église de Philadelphie. Sur l'église qui devait être ferme dans la fidélité. Sur l'église qui va bouger. Et ça veut dire avec l'église, retiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Sur l'église qui devait être ferme, qui t'a gardé la fidélité. Mais l'église de la Laodicée, qui c'est dernière l'église, et qui reflétait le caractère de l'église dans le dernier temps. Et l'église de la Laodicée, son église d'apostasie. Il y a une église qui perdit la foi. Il y a une église qui a marché selon volonté. Et ça fait, nous comptons l'église à Théa. Il y a dit parmi toutes les sept églises, la ville de la Laodicée, c'est une ville qui est réputée. C'est une ville qui périsse de toute la ville qui était retrouvée à la Sibylle. C'est une ville qui était réputée sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan et capable marchandise commerciale sur l'église qui était réputée. Parce que dans la ville de la Laodicée, l'église a été grande banque. Et banque là, monde chaque jour, il n'a pas augmenté. Sur l'église qui compte, quand monde n'a pas accumulé richesse, c'est toi l'église qui est riche. Et ça veut dire, à travers l'histoire, l'église a pris frapper pour tremblement de terre. Malgré Néron, l'empereur romain, prêt d'accord pour porter soutien avec lui-là. Mais puisque l'église a des richesses, ils ont refusé d'aider Néron. Parce qu'ils ont senti des capacités économiques pour reconstruire ça encore. Et c'est une ville tout, qui est réputée par banque, par richesse, par l'argent, par économie. Et
à la haute ici. C'est quoi une usine? Une usine qui t'a produit des laines, qui t'a produit des vêtements qui sont agréables. C'est-à-dire, les gens qui te retrouvent à la haute ici, vêtements sur eux, c'est des vêtements qui attirent. C'est des vêtements qui réputent. C'est un vêtement de qualité. Et à la haute ici, il y a une école de médecine. Et grâce à l'école de médecine, ça, il y a produit des médicaments pour quelles que soient les difficultés, le monde a gagné le ciel. De pourrir à la haute ici. Et on procure de remettre ça, quel que soit le problème pour gagner le ciel, on va arriver à une solution. À la haute ici, Mounio, sur le plan économique, ça va pour eux-mêmes. C'est une église, sur le plan de vêtements, il t'a produit de bonnes toiles. Moun n'a pas habillé avec de laine, de bonne qualité de toile. C'est-à-dire, Mounio, je t'ai réputé, je t'ai fait bien. Sur le plan médical, il t'a produit des médicaments. C'est une ville centre commerciale. Chaque jour, bateau a rentré, nos ports là, a sorti avec marchandise, a rentré avec marchandise. Mais sur le plan spirituel, c'est une église qui pauvre en pire. Et ça fait regarder bien à travers l'être apôtre Jean a adressé avec l'église à Odyssée. Jésus-Christ a présenté avec l'église là. Il dit, écrit à l'être que l'église à Odyssée. Voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle, véritable, l'auteur de la création. Reconnaître dans lui-même. La vérité, c'est le mot Jita. Le témoin fidèle, c'est là qui est d'accord pour accomplir parfaitement la volonté de Dieu. L'auteur de la création, tout ça a existé. Il a existé à cause de Jésus-Christ. C'est en quelque sorte, Jésus va dire à l'église là, nous existons à cause de moi-même. Parce que c'est moi qui est l'auteur de la création. Tout ça qui crée, Dieu crée à cause de moi et pour moi-même. C'est ton église, façon que Jésus-Christ est adressé avec l'église, il est présenté avec l'église. C'est ton église qui t'a doué vivre pleinement pour la volonté de Dieu. Mais par rapport avec, car telle église là sur le plan spirituel, mais c'est ton église qui était malade. C'est ton église qui était malade. Et ça fait Jésus-Christ pour établir un bilan. Il a pesé la vie l'église. Il a dit l'église, je connais tes œuvres. Je connais le travail. Je connais la vie. Je connais le fonctionnement. Je connais l'attitude. Je connais si fidèle tout bon. Je connais si l'attaché avec tout bon. Et ça fait Jésus-Christ pour pour présenter le bilan, dit nous connaissons la vie nous, en tant que l'église. Et ça fait matin qu'on compte ça. Quel que soit son avis, Jésus compte comment on vit, ma frère. Quel que soit la façon de penser, Jésus compte penser, Jésus compte sortir, Jésus compte entrer, ni compte parole, ni compte fonctionnement, ni compte travail, ni compte sous fidèle tout bon, ni compte sous attaché avec tout bon. Dis l'église à me connaître. Mais on se bagaille. Nous pas ni frais. Nous pas ni chaud. Mais Jésus qui a dit, il évalue l'église. Il joue l'église, il pas ni frais ni chaud. Il va dire l'église. Nous tiens notre présence. Nous tiens notre présence. Odeur nous, par des odeurs qui agréent. Nous pas nausé. Nous pas de coup. Nous pas guérir que nous quartier vers nous. N'a vu mal de présence moi. Et c'est dire que Jésus-Christ a parlé de l'église à Odyssée. C'est parce que nous vivons à Odyssée pour que le peuple a vite de co-alimentation en matière d'eau. Le peuple a te construit un aqueduc. Non, sous terre. Nous sommes chauds et accueillir ça de pouronne pour prendre ça de très loin pour conduire la ville là. Et l'histoire a dit, la distance que Gloss a parcouru jusqu'à ce que la ville là, l'élève nous certains moments, n'accueillir là, Gloss a été très froid, il vient refroidi. Et avant d'arriver dans la ville là, il vient tiède, nous ne pouvons pas. Mais Jésus qui parle avec l'église, il dit la ville où c'est qu'on s'allie.
maman vit. La vie nous a créé d'agréable. La vie nous a créé de satisfaisante. Tout ça ne fait de partir. Il dit nous tiens dans la présence moi. Il y a un monde qui tient son monde. Apparemment, nous avons servi mon Dieu. Mais dans lui, nous n'avons rien de sérieux. L'autre, mais nous chantons que nous n'avons pas de valeur chez mon Dieu. Tout ce qu'on a fait, c'est en fait. Même les gens acclament, les gens répètent, les gens connaissent, mais Christ ne connaît pas l'autre. Et ça fait Dieu dire avec l'église, nous tiens. Nous n'avons pas de goût. Nous n'avons pas de goût. Nous chantons vrai, nous adorons vrai, mais quand il y a sans goût, malgré la fine église, nous bien habillés, mais nous dégagés des odeurs nerveuses. Odeurs nous pas agréables, malgré pas ce qu'il y a à nous acheter, nous fitons sous nous, mais nous gardons la vie nous, nous pas qu'à penser de nous. Nous pas agréables, monsieur. La vie nous tient. Et ça fait Jésus dit, puisque nous pas ni chaud ni frais, nous tiens. Ma vomi nous dans la bouche moi. Ma vomi nous dans la présence moi. Nous pas qu'à subsister dans la présence moi. La vie nous pas qu'à être dans la présence moi. Parce que la vie nous pas agréable de Dieu. Combien de monde matériel qui sortit la vie agréable de Dieu? Combien de monde matériel, malgré la vie de l'église, c'est pour faire mourir. Tout ça l'a fait, c'est gloire les hommes à chercher. Dieu m'a créé gloire dans lui. Et ça veut plus fois, nous persévérer les pasteurs là. Nous venons dans Dieu, nous exhorter nous. C'est facile à forcer nous. Mais si nous pas fiers, nous allons avoir besoin de forcer nous pour venir chanter. Nous allons avoir besoin de forcer nous pour venir adorer. Nous tellement fiers, tout ça a fait, c'est forcé. C'est avec pression. Si on va dire après le camion, on va couper cette tête, on ne peut pas marcher. Jésus dit nous tiens. Si Jésus t'a parlé avec l'église, puisque nous sommes en voie de construction, Jésus t'a quand même dit, pendant l'église veut construire, est-ce qu'elle a vous construit d'abord? Est-ce qu'elle a vous pas qui brèche? Est-ce qu'elle a vous pas qui flippe dans lui-même? Est-ce qu'elle a vous pas qui côté? Et mieux quand tu es levé, il fait ça, il fait. Et ça fait qu'il est important. C'est pour qu'on construit. Nous pouvons construire la vie pour mon Dieu. Parce que, quand tu fais temps, tu as la guerre après. Mais l'orange est la présence de Dieu, mon Dieu, par les cheveux, par exemple. Et ça fait David dit heureux celui que tu admets en sa présence. Ça fait comprendre. Que vous devez la chanter. C'est pas tout quand tu es pour Dieu recevoir. C'est pas toute prière pour Dieu attendre. C'est pas toute la vie. Que mon Dieu laisse voir. Parce que la porte est là, nous en tête apparence. Mais à garder nous sur la terre, nous t'en comparer, nous habiller t'en comparer, nous parler t'en comparer, nous garder pornographique, même j'en parle, nous t'en démissionner, même j'en parle. Toute sa vie fait ses prétentions. Les apôtres ont dit, ce n'est pas nourri ni forme spéciale, mais c'est seulement pour nous suivre. Vous devez connaître pour mon Dieu recevoir, pour agréable chez mon Dieu, pour mon Dieu pardonner. Là, vous devez changer. L'église a son église qui a apostate. Nous, l'église qui a abandonné la foi, malgré la vie de l'église. Deux mondes même chute à chuter. Parce que toute pensée, c'est pensée le monde. Tout abîme, c'est abîme le monde. Tout jeune fils, c'est gens, le monde vif. Le chuter déjà. Il perd de consécration. Même de la plus sincère. Il y a les loin. Il va dans la présence pour Dieu encore. Jésus dit, puisque vous tiens, m'a vomi dans la bouche. Parce que quand il n'y a pas bon goût, quand il n'y a pas agréable, chant n'est pas agréable, prière n'est pas agréable. C'est prier chanel quoi faire. Vous avez vos prières qui font attirer volonté vers vous-même. Et c'est toi l'église, non seulement qui apostasie, c'est l'église qui croit dans la tête de sa procédé. Il dit l'église, où dis-vous riche? Je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Nous ne connaissons pas où c'est vous qui êtes malheureux. Ou quand il y a une richesse par terre, vous ne pouvez pas dire Jésus, c'est vous qui êtes malheureux dans la vie.
Vous mettez manger chaque jour. Vous mettez manger contre soi, allez en vrai. Vous êtes monde qui plus mal est riche. Vous êtes monde qui plus grand coup. Parce que monde qui a satisfait tout le monde, c'est Jésus lié. Monde qui a passé soif tout le monde, c'est Jésus lié. L'Église, comme si Jésus a dit, l'Église a perdu soif spirituelle. L'Église n'a pas envie encore. L'Église n'a pas désir encore pour connaître, pour marcher avec nous. L'Église a perdu soif. Dis, tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et mou. Malgré bel vêtement, mon tout est devant la présence de Dieu. Malgré bel habit. Et son l'église, là où dit que c'est l'église show of Kéoé. Et ça va prendre des temps ça, nous plus vite faire compétition habillement. Nous n'avons pas vu servir mon Dieu vrai. Nous plus vite montrer habillement, marcher en pile. Pour qu'on ait une belle version, pour qu'on ait une belle sandale, une belle robe, mais on va aller chercher mon Dieu du pont. Jésus m'a demandé pour changer la terre. Ce n'est pas une compétition, c'est du sel, mon Dieu. Pour qu'on ait une belle habillement, pour qu'on ait seulement dans le fait. C'est vous qui cessez, qui sanctifiez, qui changez tout le monde, que la vie, pas que péché, et qu'à couler à péché, c'est le passion. Mon cas d'accord pour vous à pécher. Il dit c'est mon qui malheureux pauvre ou aveugle. Jésus dit, me conseillez donc acheter la caille, l'eau purifiée par le feu. Vêtements blancs pour qu'on puisse habiller tout le monde. De pas que vêtements ciel en tout le monde. Ou mon qui a nu ou désarmé. Et puis c'est pas ciel qui habille ou désarmé. Et il a fait salver dans la vie. Péché a fait salver notre vie. Et ça fait Jésus qu'on a avancé. Il dit, moi je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Aide donc du zèle et repends-toi. Repentis. Parce que je dis à même décider à frapper notre cœur. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Jésus dit, même n'importe quoi, m'a frappé votre cœur, quel que soit le monde qui tente, ouvre la porte là, ma terre. Ouvre la porte là pour m'entrer pour chita avant, pour vivre mes dignités ensemble avant. Parce que Jésus qui garde la vie, lui est vu qu'on n'est pas clair. Je veux vivre là, il m'a fait le plaisir. Je veux marcher, il m'a fait le plaisir. Sous quartier, il m'a fait le plaisir. Je veux aller travailler, il m'a fait le plaisir. Dans l'école, il m'a fait manger le plaisir. Dans le fonctionnement, sous sortir, il m'a fait manger le plaisir. Je suis tout ma terre, même la porte à la frapper. La frapper. Et ça fait mon Dieu le matin pour répartir. Pour changer d'idée. Pour changer d'attitude. Jésus dit l'église, on sont l'église qui manque. On sont l'église qui est misérable. On sont l'église qui pauvre. Malgré l'éloge qu'on fait pour tête. Malgré l'éloge qu'on fait pour la vie. Mais les pèses sous balles ne sont pas fait pour moi. Ou pas fait pour moi. Combien de jeunes filles vont Dieu pèser? Et puis mon Dieu tourne. Pendant toute l'église qu'on aime, c'est servant mon Dieu. Et puis le mon Dieu mette sous balance. Il m'a pèsé en rien. Combien de jeunes garçons, combien de jeunes dames, combien de messieurs mariés, pasteur qu'on a comme ouvrier qui se sert, comme ouvrier qui t'accorde, comme ouvrier qui a fait effort. Mais laissez la garder, il va rien servir. Je dis à pasteur Kagato, le félicite, parce qu'il ne va connaître rien de où. Même la sœur est à l'immo, mais pas tout le fonctionnement. Mais pour qui connaît la foule, qui connaît quand on connaît très haut, qui connaît sa quoi faire, les pèses, ils gardent de groupe là, ils gardent de quoi là, ma quoi ben belle voix, mais voix ça paraît sur moi. Ma quoi chanter, ma pleine voix, ou prier à haute voix, ou adorer, ou une mission, ou dans tout programme, ou dans le chemin, ou pas ma quoi service.
Et Dieu les pèse le bas, je n'aille c'est mieux. Et Dieu garde une assemblée, la cherche une parole. La cherche voie, pas qu'à soigner. La cherche fouette, il pas soigner. La cherche sainte, il pas soigner. On a tout le monde où l'assemblée. Jésus dit l'église a une malade. Son église qui a coupé l'absence du bon Dieu, qui a bluffé nous. Et ça veut dire que Jésus dit, ou pas ni chaud, ni fouette. Jésus n'a pas de problème. Sous chaud ou trop chaud. Sous fouette, il n'a pas de problème. Ou révéler l'identité. Mais pas vivre dans les dans l'évangile. Pas vivre mon trop son affaire. Pas vivre mon trop ou la vraie. Jésus n'a pas de problème pour frère. Mais le message quand même a changé. Mais mon capable n'a pas au sort. Même les crochets ou tu le crochets, il y a le passe, la vie connectée, nous avons une relation, nous avons une connexion avec mon Dieu, mais le cas des bagages, c'est le vrai. Parce que nous qui nous péchons, qui va vos consciences, la vie louée de mon Dieu, comme en prétention, que sont les hypocrites dans l'évangile, comme pour qu'elle se sert, et puis parce que c'est vrai. Il est difficile pour changer tout le monde. Et ça fait la vie louée de mon Dieu, livré. Il a grandi tout, il a fait mission, il a concerté. Mes paroles pas changé. Non. Paroles pas changé. Nous sommes pour Judas. Nous avons toutes ces ailes. Nous avons monté et descendu avec Jésus. Nous avons toute mission. Nous avons tout le bagage. Et puis, pas grand-chose, c'est moi. Quand on a dit, on est là, on est là. Tout le monde est caché derrière la grâce de Dieu. Pourquoi les mots de Dieu va pour son Dieu, pour tout le monde qui est sur tout le monde qui a montré, nous c'est servant, nous c'est vrai pasteur, nous c'est vrai chat, nous c'est vrai prédicateur. Christ qui est pour lever de là. Bon la pluie qui est pour tomber. Tout serviteur maquillé, tout maquillage qui est pour tomber. Tout masque qui est pour sortir. Tout vieux petit qui est sous, qui t'a montré la double. La prière qui est pour tomber, gonfle qui est pour souffler, tu fais qui est pour chercher l'eau, la qui est pour lever. Et ça fait Jésus de montrer l'église a redit, c'est cette dernière église. Après dernière église, après dernière première église, c'est un lève bon que vous faites. On a une dernière phase éliminatoire. Soit on joue tout bon. Soit son jeu sous maquillage. Et même tout ça, nous ne pas qu'à nos deux camps. Non. Mais si pas qu'à nos équipes, premier mi-temps font pour nos premières équipes, il y a deuxième mi-temps pour notre équipe. Non. Qu'on n'a qui qu'on campe. Yes. Qu'on compte au campé, qu'on positionnement. Est-ce qu'on a l'évangile tout bon? Est-ce que je dois vivre ça? Ou servir mon Dieu tout bon? Est-ce que je suis fier dans toute la foule? Je suis dans la tête. Est-ce que c'est mon vrai qui a bataille? Est-ce que c'est mon Dieu qui a compté comme soldat? C'est vrai soldat, Jésus a compté sous mes. Il va compter sous possession. Il va compter sous savoir. Il va compter sous connaissance. Mais tout espoir, tout côté, c'est sous mon Dieu. Et ça fait mes bien-aimés. Vous comprenez ça. Niveau spiritualité, pas permettre tout le monde. C'est l'Esprit de Dieu même qui nous travaille. Et apparence, ce n'est pas le cap déterminé qui est ce qu'on est. C'est mon goût et le bon Dieu. Et ça fait un message prédication. Il dit maintenant qu'il y a là. La faute. Vous savez qu'il y a des gars qui ont pris le dernier dans son âge de c'est là qu'il y a un secondaire. Parfois, quelqu'un paraît. Vous savez que l'église, il va faire toute l'expérience à tout le monde qui a été gagné avant eux. Qui nous faut aller? Qui nous faut quitter le groupe d'Agnon? Qui nous faut quitter le groupe monsieur? Qui nous faut qu'on claque ça? Parce qu'il faut déjà faire pour qu'on qui est-ce qui était vrai? Et le dernier, c'est ça. Vrai visage, en plus de personne, en plus de l'église, il y a qui est pour parler. En plus de l'église, il y a qui est pour parler.
Quel jugement de prière c'est depuis qu'on a commencé. Pour qu'elle nous fait paraître. Pour qu'elle magouille sorti dans les nous. Qui bloquait bénédiction peuple là. Qui bloquait avancement l'église. Qui empêchait travail l'église à grandir. Qui quel jugement, c'est pas les compétences pour commencer. C'est depuis qu'on y a. Faut que le visage de l'eau paraît. Faut que le visage de chien paraît. Faut que le visage de pâte paraît. Faut que le visage de pâte paraît. Pour prier, ça commence. Vous te regardez là. Et les gens, tout autant là, les gens qui ont vu, il faut sortir dans le ciel. Il faut sortir dans le ciel. Tout n'est qu'un théologie pour lui faire quoi pour descendre. Il faut que sorti. Si on va qu'à sortir, vieille maladie, ton sucre, à sa meur. Faut que l'on aime tout avant, sans trompette là, pour quitter l'argent peuple là. Tout vieux pauvre, président, tout vieux groupe, tout vieux malade, faut que le jugement paraître. Yes, pour délivrance l'église là, pour avancement l'église là, pour prospérité l'église là. Je ne sais pas où mettre sûr et certain. Et ma prédit ça. Ce n'est pas nous tous qui vivons croissance l'église. Là. Non. Non. Ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde. Je voulais dans son lit marié pion. Je vais faire bataille. Alléluia. Je vais faire lutter. Quand nous soutenons, nous consacrer lui-même la prière. La prière est tout. Parce que nous avons commencé à faire ça. L'idée qui perd du coup. On doit jeûner, il est là, ne jeûne non, c'est manger l'ouest seulement. Nous savons qu'il y a des deux relations pour l'église a grandi, pour ta vie grandi, pour les chemins ont grandi, pour ta vie a délivré, pour jeûner ça grandi, et ça met vous la terre, c'est pas jugement, c'est pas pour nous, c'est pas pour nous, c'est pas que tu es fait dans l'église de Gouria, pour identifier son chrétien, son frère, pareil. Il y a des jeunes filles, c'est pas pour nous. Non. C'est pour qu'elle dégâchette. Pour reconnaître qui est-ce qu'elle est. L'habitant de Tablo, l'habitant de Genesa, ma corps est l'acheter. L'Iloué, son père est qu'elle est. L'Ibraquée, l'Ibloqué, quand tu fais l'église, l'Ibloqué, pour se mettre des couples là. Alléluia. C'est pas mal dit, je m'en bats. Que des dégâts sont faits. Et vous-même, pas saisi. Amen. Pas saisi. Mais si vous n'avez pas peur, vous faites ça pour faire un cachet. Si les clients ne sont pas cachés. C'est changer pour changer. Parce que l'église, mon Dieu, prépare à son église, il besoin de saint. Et pour mon Dieu, joindre l'église à toutes ces étés, il faut être fatrapé. Depuis fatrapé dehors, l'église a toujours ça. L'église a toujours ça. Il faut que fatrapé sorti dans le groupe, dans tous les missionnaires. Pour bénédiction qu'a vu, je nous appeler après travail pour ce frère. Amen. Un appel à la repentance. Volonté pour Dieu, c'est pour nous changer. Volonté pour Dieu, c'est pour nous corriger. Et Christ m'a demandé de nous améliorer. Mais vous changez totalement. Amen. Ça fait, amen, qu'on dit, to be, on a to be. Soit ça ou ne pas ça. Sous ces pas douce, c'est pas vous quittez l'église. Amen. Quittez le couple là. Quittez jeunesse là. Parce qu'on va une soirée pour tenter. On va les soumettre à personne. L'Esprit de Dieu parle au gourmet avec. Oui. Comité parle au gourmet. Oui. Dame moi conseil au gourmet. Oui. Monsieur moi conseil au gourmet. Jeunesse parle moi conseil au gourmet. C'est quitter ce passe là pour l'église à nous dire. L'église a dit. Vous savez que quelqu'un peut faire. On doit prier pour quelqu'un, pour que quelqu'un peut
Nous besoin de pour que l'église se grandit, pour que nous grandissions. Mais nous prions tout pour que Dieu fasse quelque chose qui est grand pour nous conseiller à venir prendre la salle. Quelle que soit la position où il y a, quel que soit le niveau qu'il y a, les ciels ne plus, on pas décidé de changer, ou pas de changer, on sait que la salle est une qui peut changer. Et ça veut dire que nous n'avons pas éternel. Vous ne pouvez pas sanctifier pour faire travail là, vous êtes des mouns. Vous ne pouvez pas respecter les positions, vous êtes des mouns. Et ça fait, vous êtes tout, là où ça signifie le peuple qui dirige. C'est mon peuple, quand l'esprit de Dieu a conduit, ce peuple-là fait saluer. Comme il fait saluer, mais ce n'est pas l'esprit de Dieu qui a parlé. Mais je dis, Dieu veut pousser les captifs de l'église. Il veut se calmer les dames, il veut se calmer les jeunesses là, il veut se calmer les messieurs mariés pour bénédiction au peuple là. C'est ça là où Dieu veut dire le peuple qui dirige. C'est pas le Saint-Esprit qui a mené. Que l'église c'est conversation, communication qui mène. Mais c'est pas le Saint-Esprit qui est là pour nous parler et puis nous derrière. Et ça fait plus pour parler bien, nous mais le monde après nous ne va pas parler les pour ce bout. N'en viens pas. Et ça fait nous pour quitter place pour le Saint-Esprit travailler là. Et nous disons nous ça. Nos dirigeants vont préparer ce service, mais tout ça fait pour préparer. Mais quittez l'espace pour cet esprit bon Dieu. Quittez l'espace pour cet esprit bon Dieu, c'est bien. Un appel à la repentance. Je ne sais pas combien de monde dans le caractère Jésus trouvé le tien. Ou pas de goût. Je vais habiller les bouquets de garder le boucher fini. Il n'y a pas qu'à garder, je vais habiller ça. Il n'y a pas qu'à garder le gazou. Je vais parler. Mais je dis à vous demander pour changer. Vous demandez pour changer de position. Vous demandez pour changer d'attitude. Mais le porteur l'a frappé. Et le mourit. Et sous le réveil, il dit il va vomir. Il va vomir. Il va être si haut complètement dans la présence. Il va être si haut complètement. Il savait matin, mes bénis. Se sentir la voix de Dieu par là. On va prendre la vie. Et ne pas prêcher pour faire, pour nous prêcher au monde, mais nous prêcher pour vous. Si nous sentons la ville, bon image, bon caractère, ce n'est pas l'esprit de Dieu, mettez dehors. Mais bon Dieu m'a donné pour répandre. Il m'a donné pour répandre. Ce n'est pas Zeph, cet esprit qui est dans la ville. Mettez-le dehors à soi, ma terre. Mettez-le dehors dans la ville. Pour la ville, capable complètement agréable devant bon Dieu, ma terre. Et c'est comme ça, bon Dieu va entrer dans la caille encore. Il va entrer dans deux mêmes. Il va vivre l'intimité ensemble avec. Il va entrer dans la vie, nos communications ensemble avec. Et jusqu'à ce que vous entrez dans la gloire éternelle. Que bon Dieu bénisse.